Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, ne manquez pas. Thérapie de l'amour.
Que Dieu vous bénisse à toutes, à tous. Nous sommes dans notre émission Prière du Midi. Aujourd'hui, le jeudi, nous allons parler par rapport à la thérapie de l'amour. Et s'il vous plaît, je voudrais faire attention, je voudrais attirer l'attention de ceux qui passent maintenant par un problème dans sa vie sentimentale. Un problème parce que vous êtes quelqu'un seul et n'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre. Un problème parce que votre mariage se trouve dans un moment difficile. Un problème parce que vous êtes quelqu'un qui a terminé une relation avec une autre personne. Et je voudrais attirer votre attention aujourd'hui parce que ce n'est pas la fin, ce n'est pas fini. Vous pouvez encore trouver une solution pour ces problèmes-là. Mais si vous pouvez envoyer et partager ces liens à tous vos amis maintenant. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes en train de me regarder et dire « Non, mais dans ma vie sentimentale, tout est bien. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis. » Alors, peut-être il y a quelqu'un dans votre amitié qui passe par un problème maintenant et cette parole qu'on va donner tout de suite après ce témoignage peut toucher cette personne. Et aussi, avant la fin de cette mission, nous allons avoir le moment de la prière. Mais tout d'abord, nous allons accompagner le témoignage de Madame Alexa et on revient pour vous donner cette parole qui va beaucoup vous toucher. Bonjour, je m'appelle Alexa, j'ai 23 ans, je suis péruvienne et je suis arrivée en France en 2018. Je suis arrivée avec une expectative différente de ce que j'ai vécu. J'étais une fille très enfermée, timide, et j'avais pas de confiance en moi. C'était à cause de une relation sentimentale que j'avais eue. Et par rapport à mon père aussi, j'ai vécu des traumatismes dans mon enfance. Et au point de pas avoir de souvenirs de mon enfance. J'avais beaucoup de la haine dans mon cœur pour mon père. J'arrivais pas à le pardonner. Et j'ai pas vécu avec lui pas longtemps, mais comme j'avais 19, j'ai voulu vivre avec lui pour essayer d'avoir une bonne relation. Mais ça n'a pas marché. Après, je suis rentrée en France. J'étais contente de progresser. J'avais des rêves, mais j'ai de la famille ici, mais je me sentais tellement seule. Je pleurais tous les jours au métro. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais retourner dans mon pays. Et après, j'ai commencé à étudier le français. Et c'est là que j'ai connu ma prof de français qui m'a invitée au centre d'accueil universel. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé complètement. J'ai pardonné mon père. J'ai confiance en moi. Je suis plus timide. Et maintenant, je suis une fille heureuse. J'ai trouvé un travail parce que avant, je disais que je ne peux pas trouver par rapport à mes papiers. Et j'ai trouvé un logement. J'habite toute seule. Toutes les portes se sont ouvertes pour moi. Dieu a ouvert les portes pour moi. Si ma vie a changé, la vôtre peut changer.
je vous avais dit tout à l'heure, je voudrais attirer l'attention aujourd'hui de qui passe un problème dans la vie sentimentale, mariage, vous êtes une personne seule, et vous êtes en train de penser que c'est fini. Il n'y a plus de solution. La thérapie de l'amour, c'est exactement pour vous montrer au contraire. Vous voyez, le premier miracle que le Seigneur Jésus a fait, il a fait exactement par rapport au mariage. Dans cette époque, c'était une honte totale et complète, manquée du vent. Mais là, Jésus a fait un miracle. Il a fait un mariage qui était presque sûr, défini, chaotique, terminé bien. En d'autres termes, combien sont les personnes qui les ont déjà laissé tomber leurs conditions, leur mariage, leur vie sentimentale? Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ce n'est pas la fin. Vous avez encore l'opportunité. Et même sur la croix du calvaire, la Bible, elle montre que Jésus a parlé à Marie. Marie, femme, c'est ton enfant. Cet homme, c'est ton enfant. Fils, cette femme, c'est ta mère. Il a fait là, il a construit une famille. Peut-être vous dites, ma famille, c'est fini, ma famille, c'est terminé. Non, vous avez encore l'opportunité d'échanger. Vous avez encore l'opportunité d'avoir une différence. Vous avez encore une opportunité de trouver une sortie pour votre vie sentimentale. Pour cela, aujourd'hui, soyez là avec nous à 19h30. Et nous allons prouver que c'est encore possible d'avoir la reconstruction, avoir une transformation. Et c'est encore possible de vous trouver la personne que vous puissiez dire, non, ça, c'est vraiment la personne que Dieu il a préparée pour moi. Mais il faut que vous puissiez prendre la décision d'être là. Parce que si vous êtes en train de penser que c'est fini, je peux vous assurer que ce n'est pas encore fini. Il y a encore la condition. Si vous regardez votre famille, vous dites, c'est fini ma famille. Non, je peux encore vous assurer que ce n'est pas non plus fini. Votre famille, vous pouvez encore ou la reconstruire ou faire comment vous voulez et comment vous désirez. Mais aujourd'hui, dans la thérapie de l'amour, à 19h30, soyez et participez avec nous. Nous serons au rue de Liverpool, le numéro 43, à Molenbeek-Saint-Jean. Si vous voulez savoir quelques d'autres informations, vous pouvez nous contacter par le 04 88 46 17 58. Et vous pouvez être sûr, ce n'est pas encore fini. Peut-être vous êtes même en train de me regarder dans cet instant et pleurer. Ne fais pas ça. Vous pouvez venir et vous allez voir que Dieu, il peut tout changer dans votre vie. Ok? Nous allons à cette petite pause et on revient pour faire le moment de la prière. Avez-vous votre verre d'eau? Si vous pouvez, fermez-vous et saisissez votre verre d'eau en vos mains et on va prier maintenant. Mon Père et mon Dieu, combien, Seigneur, sont les personnes maintenant qui me regardent et elles pensent comme ça. Mon mariage, c'est fini. Ma vie sentimentale, elle est finie. Je ne peux plus. Je n'ai plus de conditions. Je n'ai plus la capacité. Je n'ai plus de force. Et je te demande, Seigneur, que tu consacres ces verres d'eau et qu'elle puisse voir, qu'il puisse voir qu'elle peut encore changer cette situation. Qu'il peut encore changer cette situation. Mais tout seul, non. Elle a besoin de te chercher. Elle a besoin d'aller, mon Père, à ta maison, être là avec nous dans cette thérapie de l'amour. Et comme ça, elle trouvera la solution. Il a sorti pour tous ses problèmes. Qu'il soit consacré ces verres d'eau et béni. Au nom de Jésus, buvez maintenant. Béni maintenant. Que le pouvoir de Dieu soit dans votre vie. Vous avez cette opportunité d'être là avec nous
et trouver encore la solution. Aujourd'hui, à 19h30, vous allez participer de cette réunion qui va changer votre vie sentimentale. Mais n'oubliez pas aussi que le jour 30 janvier, nous allons faire la distribution de l'huile consacrée. On va laisser finir cette émission maintenant, mais je vais vous laisser cette petite appel pour ce jour 30, la distribution gratuite de l'huile consacrée. Nous arrivons à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous et à la prochaine. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. D'abord au tabernacle de Moïse et par la suite au temple construit par Salomon, cet élément avait pour fonction de maintenir les sept branches du chandelier allumées pendant les 24 heures de la journée, illuminant ainsi ce lieu saint. À travers celle-ci, des rois furent consacrés dans le passé, séparés par Dieu pour diriger son peuple. À l'époque des apôtres, elle fut aussi utilisée pour la guérison de plusieurs malades. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques 5,14. Dimanche le 30 janvier, nous distribuerons gratuitement un peu de cette huile consacrée. Recevez gratuitement ce flacon d'huile pour que vous puissiez oindre votre famille et qu'ils reçoivent ainsi, par le biais de la foi, la guérison, la paix et la protection.